TVLACAIHAITI.COM, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est vendredi et c'est 5 janvier 2024. Avec même plaisir que content, honneur et respect, nous rentrons dans la CAO aujourd'hui pour nous porter vidéo ça pour et nous souhaiter bon début de week-end à tout le monde, amis compatriotes, quel que soit côté où il est dans le monde. Ça. Jeudi, là, mesdames et messieurs, pays d'Haïti, tête en bas, depuis l'apparition Guy Philippe. Eh ben, en pile, moun comprenne que Guy Philippe, c'est sauveur. Guy Philippe, c'est Sila qui pral retirer Haïti dans sa liée. Gagné ancien président Joslem Privert, eh ben, qui lui-même sorti dans silence, après toute accusation que ancien président provisoire pays a, gen sous doli, eh ben, jodi a été décidé pour le répondre Sila yo, eh ben, qui accusé de crime que le fait, et monsieur Sementé devant l'Éternel que le pas jamais au courant que te font bagay comme ça et à qui profit pour le cap fait un tel crime que yo accusé lui. Eh ben ancien président qui lui-même choqué tout le monde avec une déclaration ça que le fait dans micro la presse. Ancien officier la médaille d'Haïti, colonel Himmler Rebu, eh ben monsieur qui lui-même souqué pays d'Haïti tout, eh ben sous révolution Guy Philippe gagne pour le faire dans pays a et ça qui choquant. Eh bien, colonel Himmler Rebu dit un bagage là que personne pas jamais dit, personne pas jamais comprendre et personne pas jamais oser tout. Eh bien, pour faire déclaration ça et monsieur Jodia, eh bien monsieur Dil Jean Lia en pile monde étonné pour comprendre que eh bien t'assemblé Tigui et monsieur t'a campé sous foulaï, t'assemblé Tigui, eh bien monsieur pas gagne que c'est vrai la régler. Donc il a fait superstal que l'a géré dans moment. Selon colonel là, eh bien Guy Philippe donc dans jour cap venir là bagay pral sembler compliqué parce que getan gen nèg ki anvi bay Guy Philippe bois calé, faut que nous dou ça clairement. Et ben colonel là qui est même pas mettre de l'eau dans bouche li pour monsieur voye message ça bay tout en haïtien haïtienne conséquent qui au même ta vle pays d'Haïti changer, qui ta vle pays a débloquer, qui ta vle pour tout gang éliminer dans pays ça et qui ta vle tout pour déchouquer pouvoir sanguinaire Ariel Henry. Et ben depuis après la mort Jovenel Moïse nous ouais pays a vinn pi mal, pays a vinn pi bagay, et ben en pile monde commence à quitter pays d'Haïti, en pile monde qui dou que c'est Biden y a tann, et ben son Mexique y a tann, son Brésil, son Chili y a tann, qui donc pas gen monde qui envie rester dans pays ça encore tellement Haïti, et ben vinn non état qui déplorable mesdames et messieurs, n'a tann des colonel là avec ancien président Privert, n'a tourné. 2h du Niel dimanche pour des explications. Qui ça vous répond à accusation ça yo, accusation de corruption? Est-ce que gay accusation? Moi dit de préférence que grand plan gaillé. Avant même que m'aborder la question qui m'intéresse. M'a signalé un cas. Celui de Gérald Jean-Baptiste qui a été nommé ministre des Travaux Publics en 2009. 2008 ou 2009, qui n'a même pas été installé. Bon. Il a refusé le job parce qu'il avait la double nationalité. Et voilà que son nom, comme ministre des Travaux Publics, figure sur cette même liste. Quelle légèreté! La Constitution est formelle. Aucun note verbal ou écrit du Premier ministre, du Président de la République ou du Premier ministre ne peut soustraire un ministre à la responsabilité attachée à sa fonction. En quoi un Président de la République, un Premier ministre peut-il être complice des actes posés par un directeur général? Donc, il n'y a pas de dossier. Il y a, comme dit son complon gaillé, une tentative de persécuter moun. Et permettez-moi de retourner sur un cas flagrant similaire. Le 6 avril 2004, j'ai été arrêté à 3h du matin. C'est au moment de mon arrestation que j'ai appris que j'étais l'auteur intellectuel d'un massacre, de génocide à Saint-Marc.
à aucun moment donné de mes fonctions de ministre, je ne me suis pas rendu dans la ville de Saint-Marc. Encore moins pour participer à un crime. Encore moins pour être au courant d'un crime. Ce génocide, ce massacre, ce crime dont on a parlé, va quelques mois plus tard faire l'objet d'un point de presse de l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Louis Joanet, qui est à dire ce qui s'était passé à Saint-Marc, c'était un conflit entre deux bandes rivales pour le contrôle du port de Saint-Marc. Et voilà que je serai arrêté pour ce conflit banal entre deux groupes rivaux qui veulent contrôler le port de Saint-Marc. Je vais rester 26 mois en prison et à la fin des fins, la cour d'appel des Gonaïves, qui va être saisie de cette question, va déclarer que le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc est incompétent pour instruire contre Jocelyn Brivert, contre Yvon Neptune, contre Calice Delatour, pris en leur qualité de ministre. La Constitution est claire en ce qui concerne la juridiction compétente pour instruire contre les présidents, les premiers ministres et d'autres hauts fonctionnaires de l'État pour des crimes qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Premièrement, l'arrêt de la Cour d'appel confirme que le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc agit avec légèreté, mais a commis la grave erreur de ne pas reconnaître sa compétence. C'est la même légèreté qui s'est commise là. Je ne vais même pas me défendre d'accusation ou pas. Premièrement, le juge n'a pas compétence pour instruire contre moi. Vous êtes un ancien chef d'État. Est-ce que cela veut dire que vous jouissez encore des mêmes privilèges? La Constitution fixe la juridiction appelée à instruire contre les présidents, les premiers ministres, les membres des institutions indépendantes pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est la première chose. C'est quand ces hauts fonctionnaires seraient reconnus coupables par cette juridiction qu'ils seront traduits devant les tribunaux ordinaires pour l'application des peines ou l'action civile. Ça, c'est la démarche. Maintenant, la deuxième réaction, qu'est-ce qu'un président a à voir avec la direction, avec un directeur général? En quoi un directeur général, je ne sais pas, je ne confirme pas, qui aurait distribué de son propre chef, je présume, des biens publics à des fonctionnaires, en quoi ça peut concerner le président de la République? Les présidents ne gèrent pas, le président ne gère pas l'administration. La conduite de l'action gouvernementale est de la compétence du chef du gouvernement. L'invitation étant lancée, on dit que ou apprendre, l'invitation ça comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a dit que ou pas disponible ou bien pas répondre à l'invitation juge d'instruction hein, dans le cadre dossier ça, que vous avez une remarque ou bien une compréhension particulière sur les. Mon cabinet d'avocat travaille sur la question, mais j'ai voulu publiquement dénoncer la perfidie de ce juge, dénoncer sa légèreté, dénoncer son incompétence et dénoncer les manœuvres qui se cachent derrière cette invitation. Moi, Jocelyn Brivert, j'ai géré l'État pendant près de 40 ans. Directeur général de la DGI, secrétaire d'État aux finances, ministre de l'Intérieur, président de la République. À aucun moment donné de ces 40 ans, je n'ai jamais été épinglé pour un quelconque acte délictueux ou criminel. Mon nom n'a jamais été associé à aucun cas de corruption. Monsieur Jocelyn Brivert, en utilisant tous ces qualificatifs à l'égard du juge d'instruction, Monsieur Dimanche, Maître Dimanche, est-ce que là, au pape
attaqué au cadre de la justice, un homme qui agit au nom de la loi, même si vous avez des réserves. En traitant ces actes d'actes perfides, entre autres. Personne n'est au-dessus de la loi, y compris le juge. Les arguments que j'évoquais sont d'ordre constitutionnel. La Constitution, la hiérarchie des normes donne préséance à la Constitution sur les lois. Ce n'est pas par le fait qu'un membre d'un pouvoir dit indépendant qu'il est libre d'agir dans l'irrespect, dans la violation des lois. Tout le monde est tenu de respecter la loi. Et les procédures sont clairement fixées par la Constitution et les lois de la République. Personne ne peut les violer, qu'il soit juge ou fonctionnaire. Et si quelqu'un pense pouvoir violer... Se produit à partir de la quatrième année de pouvoir du mandat présidentiel. L'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent pour élire la vacance pour élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. Et ça, c'est le cas de Jocelyne Brivet. C'est le cas de Jocelyne Brivet avec Martelly. Qui est président? Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. J'ai mouru 7 juillet 2021. 2021, qui l'a été entré au pouvoir? 2017. 2017 plus 4 fait 2021. Donc il était dans sa quatrième année de pouvoir. Bon, oui. Seule solution légale qui gagnait. C'était une période ça. Qui gagnait le mouria. C'est le Parlement. C'est al devant Parlement. Qui n'existe pas. Al devant Parlement pour Parlement élu pour l'autre président. À la manière de ce qui était fait pour Brivet là. Mais le Parlement qui n'existe pas aujourd'hui. Kounia, il n'a pas existé du tout. Kounia n'a pas lu sa texte là. Dit. Qui sont faits la loi par répondre en matière politique. Ou réunit tout le monde, ou dit, mais qui ça, la loi dit. Article 149 là, dit que moi, ta cap dirige le conseil des ministres là. Mais c'est pas si président par là dans la quatrième année mandat là. Donc, je ne suis pas capable de diriger le conseil des ministres là. Les mouris dans la quatrième année mandat là, m'entravaient. Parlement. Parce que je ne suis pas le Parlement. Donc, Kounia, qui ça nous fait? En l'absence de la spécificité de la loi, on cherche ce qu'on appelle la loi des partis. Nous réunissons, nous faisons entente, nous disons, bon, problème ça que nous avons là, comme la loi pas traiter, donc nous prenons traiter la question ça ensemble, nous venions entente pour nous traiter le conseil. Ça veut dire, on le dit, avant de arriver sur chaque point, le Jovenel Moïse mourit. Docteur Ariel Henry, pas premier ministre. Avant ça. Claude Joseph prend le pouvoir. Il va organiser des conseils des ministres. Il va le présider des conseils. Et c'était illégal? Non, justement, Claude Joseph t'a retrouvé dans une situation de fait. Quel était premier ministre dans cette période-là? Le premier ministre. Dans le moment. Et c'est Claude Joseph qui est premier ministre? Dans le moment. Oui. Dans le moment président mourit, Ariel Sonnet qui nommé seulement. Là, par exemple, il prend un sentinelle. Et c'est l'administration publique qui font ça. Il met un sentinelle sous poste. Même s'il est arrivé. Il va pas déplacer. Il va pas déplacer. Qui l'a déplacé? C'est le caporal de garde David avec l'autre sentinelle là. Il fait relève. Parce qu'il va quitter la vide. Il va quitter la vide. Voilà. Il transmet à sentinelle ça. Consigne poste là. Laisse un caporal de garde David. Même si le grand goût. Même si le grand modèle. Quelle que soit la circonstance, pas capable de déplacer tant que l'autre sentinelle n'est pas là. Donc Claude, tu es dans le bon droit. Claude, dans le bon droit, totalement. Parce qu'il n'a pas été relevé. Il était démissionnaire. Mais son remplaçant n'a jamais réuni les conditions pour le remplacer. Parce que pour le remplacer là, parce que l'État. Dis-moi, un cérémonial, ou pas songer. Président Jovenel Moïse, t'es nommé un CEP. Qui est-ce qui a nommé un CEP? Lui-même, oui. Lui nommé. Mais il y a des petites facettes légales que lui pas respectées.
jusqu'à ce que il parle encore. Gen moun qui te fait président quoi que a fait prêter serment son blague. Li gen droit installer quand même. Pour faire président faire ça l'installer. Malgré ça la liste va quand même faire élection. Pour qui ça? Parce que moun qui dans CEPO, yo pas des administrateurs seulement, vous êtes des juges. Ils sont aussi des juges. Il faut prêter serment, nous te faire combat ça. Et ils vont rendre justice au nom de la République. Donc pas prêter serment. Mais même un simple moun que les devant juge. En fond commencer parler. Faut yo écrit dans papier à côté prêter serment. Yo te fort prêter serment pour ça pas dire. Pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et faut enregistrer. Si on découvre que c'est un mot. Matin, quand je me parle à Volala, il y a environ 14 camions qui sont dans le pays de Jérémy, 14 bus qui décident eux-mêmes qui peuvent traverser dans la zone Mariani. Et moun sa ou là depuis 3 jours. Madame Sarah, maman, papa, petite, ils ont tout bloqué à cause de Mariani qui campait en point ne fait pas. Et qui plus est-il du stouk, sorti la caillou, gagné Dieu seul, dans le sud-est, ils ont même tout pas qu'à traverser, sans compter machine qui peut sortir au caillou. Donc, la vie, dans ce sud-là, c'est des profils qui étaient, après Mariani, mon neige, mon léogane, mon dressier, mon tigouave, et mon saillot obligé, vivre dans eux-mêmes, ils ont beaucoup qu'à traverser dans le centre-ville, qui donc dans la zone métropolitaine, ici, pour la Caïpane. C'est maintenant et commune Kafou, les mêmes côtés me parler avant là. Trouver le poucol, malgré que j'ai fait un café au niveau mairie à Maïsac dans ces journées propres pour nettoyer la commune. Mais cependant, en ce qui a fait avec la transportation entre dans avec la zone métropolitaine, des oxygènes restreints. Mais dans la commune Kafou matin, donc mon yo commencé à boucher dans l'activité. Mes machines qui peuvent sortir pour tout presse. Et n'a besoin de quelques bus qui décide, il y a même tout depuis quelques jours, et qui campait dans Christophe Chanel, donc toujours dans Carrefour, accompagné avec plusieurs machines qui ont l'intention de sortir dans une métropolitaine. Il y a même voulu traverser dans le Grand Sud à Grandesse. Malgré plusieurs machines qui ont déjà payé premier poste péage dans Matissan, mais passé dans Mariani, son véritable plus grand coin. Blende à Tablicol, plusieurs blendés, matériel que je parler avant la lame, le Tablicol dans Mariani. Même mon à pied, même mon à moto, beaucoup qui a passé dans la zone ça, côté ma parler avant la lame. Et c'est depuis 2 jours, c'est parce qu'il y a une balade de la caille voisin qui cause de votre commande de ciel. Et demander à la police pour capable déployer toute vigilance, pour capable déployer tout quoi qui est nécessaire pour rendre le passage là, les mêmes les praticables. Dans le Grand Sud, là. Malgré que mon qui essaie de passer donc, sous la mer, mais c'est avec un pile incertitude, mon saillot, il même eu fréquenté zone. Mettez sous problème infrastructure, l'entrée sud capitale la gagné, mettez sous gros problème qui a travaillé zone ça, mais question insécurité a fait la rage. Malgré commune Kafou, plus ou moins et normal par rapport avec et Mariani et puis et Matissan, mais l'époque dit rien, ça ne dit rien que commune ça safe. Puisque Carrefour prend entre l'enclume et le marteau. Il commence à y être pour matériel. Donc, l'offre de quitter et rentrer sur la capitale là. J'ai déjà dit où, matériel, le monde qui prend gérer, mais la caille moins. Le monde qui prend aller, la caille pour tout, il y a du seul, puisque nous tous les Sénégalais d'ailleurs, mais il y a beaucoup à traverser. Donc, pendant et journée. Donc, le monde qui prend aller après Mariani, donc, nous mettons annuler toute activité que nous faisons dans la zone Sahara. Donc, si nous avons dit pour nous sortir dans votre prise. Mais nous, et constater ça matin, tout pendant le passé de masse. Comme d'habitude, quand il y a plusieurs camions et qui dorment, chan masse, et plusieurs monde, eux-mêmes qui connaissent le bonheur, surtout avec le monde qui toujours peut être démarqué dans son réunion, puis qu'on commence à rentrer sud, capitale de la réveille. Et bien, matin, malgré le passé de chan masse qui fait moi coulant, et nous pas remarqué aucun bus vraiment, donc en quantité, eux-mêmes qui ont fréquenté et rentré sud, capitale là. Je pas même vite dormir même. J'ai remarqué seulement 2 camions en face de théâtre. Il y a même l'équipe là toujours, et le capitaine pour traverser. Donc maintenant, c'est comme ça, rentrer sud capitale là, lever pour matin. Mais maintenant, bah, c'est toute zone capoua, nous passons dans la vague, nous faisons une véritable caroute, et nous remarquons qu'il y a déjà devant la radio, qui est le capitaine gagné du sel pour raconter problème, les problèmes formés. Mais comment ça y est, pour 3 axes qui connectaient avec Pétionville, maintenant, 3 axes à lever plus ou moins normal, puisque nous déjà passé pour Pétionville, pas Delma. Moi, je suis sorti de Pétionville qui veut descendre Delma matin. Oui, je suis capable de descendre sans problème pour matin.
puisque plusieurs machines commencent à sortir de Pétionville pour descendre vers 95 pour aller tomber directement dans la zone d'Elma 33. De plusieurs types à charger en direction centre-ville pour matin. Et puis ça, on m'a dit qu'on peut passer dans la zone sans problème, puisque déjà si on est matin, tout le monde qui va dans Delma, monde qui va dans Delma jusqu'à Cafou, aéroport, zone BNC, eh bien nous sommes capables de descendre sans problème depuis une fin côté Mackinson-Rich. Nous-mêmes qui avons sorti dans une Pétionville par Boudon, on est capable de descendre sans problème pour matin arriver et juste zone Cafou, Misso, zone RO pour passer devant Central, Jokotopat. Matin, on va descendre sans problème pour passer devant OPC pour arriver en bas de la ligne. Tout pas tout remarquer présence PI et PF. Est-ce que dans l'aide de prendre l'arrière, il y a eu dans l'élève, mais pas trop remarquer la présence de la police, surtout les zones Boisvert, dans les zones en bas de la ligne, jeune qu'on a habitué rencontrer pour fixe avec PI. Mais on est capable de descendre droit sur l'allée. Pour aller tomber directement et zone Cafou pour ce machin. Côté plusieurs petites machines commencent à charger, passer par Enazon, ils ont même pu tomber Cafou aéroport. Matin, ou même quand je suis en Pétionville et par Canabé Vert, oui, on est capable de passer puisque plusieurs types commencent à faire. C'est toujours devant Montfleury, des pommettes, on passe matin, côté plusieurs mètres pharmacie, l'hôpital déjà campé, puis il y a le premier médicament. Pour tomber devant Timaco MES Autodesign et puis Bonne Canabé Vert, matin, on va descendre les 5 coquepins. On va descendre droite pour passer devant et sous-commissariat Canabé Vert. Côté transportation en commun est déjà répondre. Et on va descendre pour tomber zone télécopon Morin. Côté circulation fait sans problème. Et matin, on va passer en bas comme gasoline. Zone toujours à nous remarquer lumière, lumière. Nous ne connaissons pas comment c'est travail. On va descendre droite sous Bavena pour aller tomber Cafotifo. Lui-même qui était levé dans le fait noir coule là pour matin et demander font petit propre avant pour DG. Il y a nous qui ont commencé à grandir dans la zone ça. Comment ça y est? Pour entrer dans la capitale là, on a l'air de passer à la transportation commune pour commencer, mais dans le moment ça même, donc il y a une machine qui a chargé la zone Cafou du Vivier, puis elle tombe Cafou Vincent, toute machine ça va le décharger devant le parc industriel Sonapi. Côté agent sécurité Sonapi, il était mobilisé sur l'autre direction générale là. Mais les gens qui ont sorti sur la route nationale numéro 1 sont capables de descendre sans problème pour matériel depuis le fil de côté Mackinson. Mais pas oublier, des fois, la situation qui a changé n'importe qui. Mais si vous pouvez sortir Cafou Chad, Cafou Vincent, ou même qui a sorti quoi des missions, vous passer sur la route là, qui ont déjà crasé tout, et demander des PTC forgés passer. Mais les gens qui ont pleuré sont véritables problèmes. Donc, si vous avez une petite machine plate, qui n'est pas doublée, soit des machines ou presque pas qu'à habiter dans une zone là, pleine zone marine pour fréquenter la zone route nationale, pour le temps de Cafou Douya. Mais matin, et comme ça y est, pas aucun bus de qui décide et qui voyage, puisque nous avons déjà passé derrière Dobim Nord, dans le local bus de qui décide, mais que plusieurs femmes, plusieurs mondes, eux même qui toujours abdomen, qui attendent l'espoir. Mais nous avons dit TPTC, passer maintenant, leur quitter la zone Cafou Bim Nord pour aller prendre et pour tomber la zone Cafou Rita. Donc, zone s'accrasée, net, les déstabilisée. Et là, dans la capitale, là, son véritable problème. Dans la capitale, son véritable casquette chinois. Nous demandons au ministre de PTC à fond passé. Même je demande tout passer, mais dans le premier champ, de la côté, ou de la case, de tout partout. Et puis, mettez et convertir sur tout le bouillot. De temps en temps, la machine peut tomber dans tout ça. Mais moi, qui ne peux pas faire aucun scoff matin, on n'est pas capable de descendre sans problème. En plus, nous avons écrit, moi, dis-moi, là, maintenant, il y a, mais matin, nous sommes capables de passer sans problème de bassin. On a le tombé de bassin 25, on a le tombé de Cafou, la boule 12. Côté plusieurs motocyclettes déjà fait passage là entre monde qui choisit pour moto puis elle passer Patayaz puis tomber par Macaco donc monde ça yo et commencer traverser sans problème bon matin même matin des pour fin quitter la boule 12 on va descendre sans problème pour passer Pèlerin Pèlerin 5 devant caille ancien président Jovenel Moïse nous couper bien pas elle jette trois gouttes l'eau en mémoire ancien président et ça monte 7 fois 77 fois, il faut que je vienne justice pour l'ancien président Jovenel Moïse. Mais après la caille, ils ont marché tête haute, machin, ils ont commencé à mettre à terre. Sans problème pour matin, pour aller tomber, marché cocoyé, marché télé, marché colonie, côté petit machin, tout, ils ont commencé à mettre à terre. Mais sur votre frère pour matin, vous êtes capable de descendre sans problème pour aller tomber juste Cacafou Djumbala, zone JP Maquette. Mais des poufins quittés, zone JP Maquette, pour aller prendre. Zone pompe NCA, la Kaiwan Bosch, veillez côté WAP, mes pieds. Ou même, matin, qui est intention arrivé, zone Cafou Académie, avec un pile prudence. Mais moun qui peut sortir zone Pénéka, rentre Cafouiste, mais moun qui peut sortir de côté de notre CLC, après soleil levé, nous-mêmes, nous pouvons commencer à mettre compte d'ailleurs pour faire zone ça. C'est première image capitale là pour matin. Robot au presse, en pile côté, levé plus ou moins calme, mais cependant, notre sud capitale là sont véritables casquettes chinois pour moun et fréquenter zone ça. Donc, nous demandons
tout le monde, ni bandit qui occupe les Mariani, donc pour yon baille lever, pour machine capable de passer, c'est maman, papa, puisque plus fort dans nous, qui a fait des autres dans l'entrée sud, capitale à nous, c'est dans Gamba, nous, c'est dans Jérémy. Donc, maman, de quitter, bichot passé. Tout bandit qui occupe Mariani, de quitter machine qui peut sortir Jacques Mel, Jérémy, machine qui peut sortir dans la zone de la Caïpa même, Beaumont, quitter au passé, paysan, paysanne qui dormit dans le bus, machine qui va même bien pour faire toilette à cause de situation difficile, de faire quelqu'un qui a fou qui va machine ça au passé, monsieur, nous-mêmes qui des âmes dans même, quitter mon ça au passé, de quitter plus machine qui sortit pour presse, malgré tout, on ça au pas capable de traverser, les doigts après une femme enceinte qui est tranchée. Non, il y a un bus qui campe dans l'entrée sud capitale là. Nous dit faut que la police mobilisée pour capable finir avec situation ça. Et nous demandons pour dire tout comprendre. Donc petit peuple là, monde qui peut vendre yo, pas de salaire. Donc c'est famille yo représentant. Donc c'est pas monde qui a dirigé pays. Pas monde ça au chance yo. Et bien n'a fait qu'on est donc il y a un pile cas grave. Et à monde qui peut sortir dans l'entrée sud à Grandance, la caille pour tout, derrière Dieu seul, et battre un moment pour fouer bouche dans la cause. Monde qui peut sortir dans la montagne, Jacques Mel, lui-même qui pas capable, qui est dans une situation difficile. Dans 43-29, 77 40 là, plusieurs policiers demandent pour directeur général de police là, penser sous une question d'être arrière radio, et si quatre là, il y a deux mois depuis le pas tombé. Il dit que le directeur a aussi pression sur le ministère des Finances pour qu'il y ait une petite cobla. Une situation difficile. Puis il y a plusieurs policiers dans le centre de renseignement, CRO, donc tout cadio, donc qui fait qu'on est, et il y a une situation tout difficile. Il m'a dit qu'il y a plus que 3 ans, c'est le Saoudi, il y a Jérémy pour que son frère. Nous m'a dit pour bail, policier CRO, il y a bonjour moyen. Tout policier, 38-38-11-11. 38-30-11-11, mettez-moi un peu de travail. À toute assurance, il faut que vous baillez. Et c'est un haut et nous demander pour instance qui coiffe CROA, donc baillez policiers au frère, parce que le travail, ça les policiers au moins que 300 dollars américains, par mois, c'est une situation difficile. Et puis c'est un haut lui-même, selon ça, plusieurs policiers et crimes. Donc, ils ont dit, ils ont demandé pour renforcer et pour améliorer les conditions abdominales. C'est le Saoudi, il y a un pile de petits gens qui ont même toute une situation difficile. Ils ont dit encore pour demander au directeur général de la police là pour eux. Pour prendre caillou en considération. C'est plusieurs policiers P et crime en Rome qui c'est 38-19-09-66. Je dis à cet anniversaire, Marie Chancelier César, Atimi, Zami Panon, équipe écoutée, États-Unis, le pays Orlando. Pas oublier, numéro de la police, c'est 38-38-11-11. Parlez, les sous pas besoin, 38-38-11-11, ou même qui peut sortir zone Cafou, ou même qui est dans Gressier, ou même qui est Macaco. Toujours songer numéro ça et collaborer avec la police. Sous des problèmes, l'or et le dit pas dans 59-59. Mais pas oublier, ou même qui remarque moun qui a voyagé avec tout le monde sans papier, moun qui a fait trafic d'organes, les 133 et net social, ou même qui remarque moun qui bon dans le programme Biden, qui a voyagé avec tout le monde, moins que 18 ans, sans autorisation de net social, les 133. Des aides sociales avec PPM à faire un seul pour capable combattre tout le monde qui est impliqué dans le trafic de monde dans le pays d'Haïti. 133 aides sociales, c'est vraiment tout petit les anges ici dans le pays. Mais pas oublier, pas prendre compte, pas organiser aucun voyage illégal sous la mer pour rentrer dans le pays des États-Unis, du West Coast Guard avec une sécurité papier de passer. Rencontrer à organiser voyage illégal, passer par Mexique ou bien par Nicaragua, pour rentrer dans les États-Unis, donc c'est même bagaille avec rencontrer. Donc, département d'État dans le pays États-Unis, mandé autorité haïtienne pour prendre toutes mesures contre le monde qui a organisé trafic ça. Pas rencontrer, c'est un message du West Coast Guard Homeland Security avec l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti, sous l'obédience du département d'État. Pays États-Unis. Donc, je dis à ce vendredi, déjà passé un bon week-end, toutes amies Gaska Limousine, dans Georgia avec Atlanta, amis Lucita Simervillo, bon week-end tout le monde, bon week-end, guerrier du seul ou pas calme dans le pays où, ce soir, ou prend avion, ou bien ou prend de l'eau, ou passer par Yanni, donc faut